Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto et ce sera celui-ci. J'espère que la vidéo vous plaira, je vous fais des gros bisous. Alors, donc j'ai déjà appliqué ma base à paupières, je suis désolée, je regarde le retour caméra, j'espère que je suis bien centrée, pardon. Alors, donc je vais commencer par appliquer le rose et je vais prendre celui-là. Oh là là. Celui-là, donc de la palette Maybelline New York. C'est les petits duos comme ça, moi je les trouve super jolis. Comme vous pouvez le voir, je l'ai beaucoup utilisé. Alors, donc je prends le rose avec le pinceau 238 de chez Zoeva. Donc c'est un tout petit pinceau comme ceci, plat. Donc je prends le rose fuchsia. Et je viens l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Voilà, comme ceci. Je ne mets pas trop en coin externe parce que de toute façon, il va y avoir le noir. Et donc justement, maintenant, je prends un pinceau un peu le même que celui de chez Zoeva, mais celui-là, c'est le Detailer Brush de chez Real Techniques. Donc voilà, tout petit comme ça et plat aussi. Et je viens prendre le noir de la palette. Donc c'est un super joli noir, je trouve, avec des petites paillettes dedans. Je trouve vraiment magnifique. Donc ensuite, le noir, je viens le mettre en coin interne et en coin externe de mon œil. Je me rapproche un petit peu si vous voulez. Comme ceci. En coin interne aussi. Et je viens faire le creux de paupière de mon œil avec le même pinceau. Désolée si vous entendez dégratter, ce sont mes chats qui veulent rentrer dans ma chambre. Mais non, ils ne viendront pas. Hop, donc. On applique bien au coin interne. Donc là, je fais ça grossièrement parce que de toute façon, vous allez voir qu'après, je vais venir avec un pinceau fluffy finalisé. Et justement, c'est maintenant que je vais le faire. Donc c'est un pinceau... C'est le 230 de chez Zoeva, qui est un pinceau fluffy, mais vraiment très petit. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, voilà. Et donc, je prends le noir, pareil. Tac. Et là, je viens faire mon coin externe et mon creux de paupière. Et je rejoins avec mon coin interne. Et je remonte un petit peu au niveau de la paupière. Je suis vraiment désolée. Voilà, comme ceci. Je reprends mon pinceau Zoeva, le tout plat, le tout petit plat de chez Zoeva. Je reprends un petit peu de rose et je viens en appliquer sur le milieu de ma paupière mobile pour faire ressortir un petit peu le rose. Ensuite, avec un pinceau très fluffy comme ceci, alors celui-là il vient de chez AliExpress, je prends la couleur rose clair, donc celle-ci. Et je vais venir en appliquer au niveau de la démarcation du noir pour venir l'estomper un petit peu. Voilà, comme ceci. Et ensuite, avec un pinceau, comme ceci, fluffy aussi toujours, mais un petit peu plus grand que avec lequel j'ai utilisé le noir, comme ceci, je viens prendre un petit peu de mon rose fuchsia. Tac. Et je viens en mettre un petit peu dans mon creux de paupière sur le noir. Comme ceci.
Voilà. Ensuite, avec un pinceau très très fluffy comme ceci, je prends le blanc de la palette. Et je viens en mettre sous mon arcade sourcilière et je viens estomper le noir. Voilà, comme ceci. Et ensuite, pour pas que ça fasse trop blanc, j'utilise un fard de chez Yves Rocher. Donc c'est le gingembre nacré, qui se présente comme ceci. Il est vraiment magnifique. Que je viens prendre toujours avec le pinceau fluffy avec lequel j'ai utilisé le blanc de la palette. Et je viens pareil en mettre sous mon arcade sourcilière. Comme ceci. Donc ensuite, avec un petit pinceau comme ceci, je viens prendre le blanc de la palette et je viens en mettre dans mon coin interne de mon œil pour illuminer l'œil, le creux de l'œil. Voilà, comme ceci. Alors ensuite, avec un tout petit pinceau. Alors celui-là, c'est le 310 de chez Zoeva. Il est vraiment minuscule. Si ça veut bien faire la mise au point. Voilà, comme ceci. Il est vraiment tout plat et il est vraiment tout petit. Et il est idéal pour faire le ras de cils inférieur de l'œil, je trouve. Donc je viens prendre le fard noir de ma palette. Et je viens faire mon ras de cils. J'en mets au coin externe. Comme ceci. Et j'en mets au coin interne. Comme ceci. Ensuite, toujours avec le même pinceau, je l'essuie un petit peu parce que je le trouve super pratique. Je prends le rose fuchsia de la palette et je viens en mettre au centre de l'œil, du ras de cils. Et j'en profite pour estomper un petit peu le noir. Voilà, comme ceci. Ensuite, crayon noir oblige, je ne m'en sépare pas comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente sur mon tuto avec la chocolate bar. Donc j'utilise un crayon noir, celui-là c'est le Bourjois Waterproof, pardon, que je viens mettre en muqueuse inférieure et supérieure. Voilà, comme ceci. Et je viens finir par le mascara. Et aujourd'hui, je vais utiliser le rimmel. Comme ceci. Le super curler 24 heures. Il est bien, mais sans plus. Je suis pas super fan. Et la brosse est comme ceci. Voilà, donc le make-up est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Moi, j'aime bien ce maquillage pour les yeux bleus. Je trouve que ça fait ressortir les yeux bleus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Bisous.